Kikatar et bienvenue sur ma chaîne, et nous voilà de retour sur Resident Evil 3 Remake. Alors j'espère que le premier épisode vous a plu, parce que là on est parti pour la suite. Donc on avait rencontré le Nemesis dès le début, hein, qui nous a mis grave l'impression. Franchement c'était, je trouvais ça super cool. Mais pour la suite, après Carlos et puis son chef dont j'ai oublié le nom, nous a demandé de remettre le courant pour la station pour faire redémarrer le train. Donc c'est ce qu'on va faire. On a récupéré un petit peu de matos, tout ça. On est fin prêt, donc on va y aller de ce pas. Donc là maintenant on va sortir dans la rue et on va bien voir ce qui nous attend. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Ok, apparemment je peux esquiver. Ok, comme ça, avec la barre espace. Parce qu'on va faire. Hein. Si on peut faire des esquives, ce serait super. Et merde. Ah, c'est pas si simple. Ce serait trop beau. Et derrière le grillage, il y a un paquet. S'il y a une boutique, ouais, c'est fermé. C'est par où ? Ah, restez où vous êtes. À mon avis, lui, il a encore envie. Carlos, je suis dans la rue principale. Faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, ça qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des Tu m'étonnes. Ok, faut qu'on trouve le moyen d'éteindre ça. Et bah c'est parti. Hein. Par où? Oh. Bon bah c'est par là qu'on passe. Oh, ses yeux quoi, elle est blasée. Tu m'auras pas comme ça. On va aller là-haut, tout de suite. Je serais bien allé tout droit, mais c'est un coup de me faire croquer ça. La carte. Ça y est, j'ai oublié qu'on a une carte à chaque fois. Exploration en cours. Oh là là, mais j'ai raté plein de trucs déjà dès le début. Tu m'inspires pas toi. Ok, un coffre. Parfait ça. Le journal du pharmacien. Alors, le nouveau coffre est absolument parfait. Personne ne connaît le code, pas même ma femme. C'est un secret entre ma belle Aquacure et moi. Les voleurs ne sont pas prêts d'y toucher. Donc le coffre qu'on vient de rencontrer. Ah. Oh, salut toi. Sinon tu meurs un jour ou pas? Bon, il est mort. Parfait. Ça, on en a jamais assez. D'ailleurs,
Comme ça au moins on stocke et on a des slots de libre. En bas il y a quelque chose ou pas? Non, il n'y a rien du tout. Oh, j'ai atterri où là? Regarde-le celui-là. Calme. Ok, il est mort. Hop, on prend ça, des petites plantes, toujours cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de la poudre supérieure. J'aurais peut-être dû garder les petites poudres juste avant. La pharmacie, elle est claire. Ah, ici, avec quoi? Ah, c'est le coffre. Comme ça, le problème, il est réglé. Son deck. Ah bah parfait. Des balles de pompe, magnifique. C'est tout ce qu'on aime ça. Bon, apparemment la rue ici, c'est réglé. Là, il y a un bâtiment. Ok, il est KO. Oh. Je tire comme une bite. Oh, l'enfoiré. Ah, lâche-moi, dégage. Bim. Oh, il m'a mis mal. Ok. Ah bah parfait. Le tuyau pour éteindre le feu. À moi de l'employé du métro. Les derniers jours, le violent. Ok, je dégote un fusil à pompe. Si jamais ça tourne au vinaigre, coupez la chaîne et sortez-le de sa cage. D'accord, il est là. Maintenant, il faut que je trouve un coupe-boulon. Ici, toujours le même problème, il faut un passe-partout. Oh, une grenade. Ouais. Ah, moins cool, là. Voilà. On va se démerder comme ça pour l'instant. Ouais, c'est tout à fait ça, tiens. Il se passe rien. Évidemment. Manuel Kid Bros Railway. Alors, c'est quoi ça, les gares dans lesquelles le train s'arrêtera, ainsi que les voies utilisées. En cas de coupure du courant. Ok.
Bon, comme d'hab, je garde ça de mon côté, je lis, puis je vous évite ça grâce à la magie du montage. Utilise un objet clé. J'ai pas d'objet clé, gros. Pour l'instant, c'est meurt. Ok, donc le document qu'on a ramassé juste avant, donc le message qu'on a trouvé dans la pièce qui gère les rails, en fait c'est fait pour générer les rails. Ils expliquaient qu'en cas de coupure de courant, il fallait tout remettre en place nous-mêmes. Donc on verra ça après. Oh ça, toi, tu m'inspires pas non plus. Ouais. Il m'a l'air mort. Pas beaucoup des morts, mais lui il m'a l'air bien mort. Venez là. Et boum. Efficace. Très efficace même. Putain, il m'a fait sursauter. Y'a moyen. Voilà. Toi aussi. Y'a rien dans la voiture? Non. Merde, encore de la poudre. Bon, on reviendra chercher ça plus tard. Allez. Ah. Encore de la poudre. Putain, j'en ai deux de retard. Bah c'est pas grave, on va continuer, on verra bien. Faudra de toute façon que je revienne en arrière pour la récupérer, j'aurai pas le choix. Ça par contre, je peux le prendre. Ah bah. Ça va, on a de la chance, ils sont pas très loin. On va déposer tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Examine les objets. Ah, bah si tu m'expliques tout dès le début comme ça. Bon, après je connais, mais un gars qui a pas fait les autres, c'est un peu mâcher le travail, gros. Examinez. D'accord. Un caillou, une gemme rouge, un faux rubis. Il semble pouvoir être inséré dans quelque chose. D'accord. Une plante. C'est tout. De quoi sauvegarder. Bon, on s'en fout. Alors pour l'instant, on va le déposer. Et la plante aussi. Là, on va faire demi-tour, on va aller chercher nos poudres. Qui était... D'ailleurs, ici, est-ce que c'est... Ah non. Donc c'est pas bon parce que j'ai pas ouvert ça avec le passe-partout. C'est pas grave. Donc elle était là-bas. C'est pas clair non plus. D'accord. Hop, on va retourner déposer tout ça. Et on continue. Oh, ça me ramène de l'autre côté. Oh là là. On va éviter. On va par ici. Eh ben non, c'est fermé. Bah on n'a plus qu'à faire demi-tour hein, les copains. Je vois que de toute façon il n'y a rien d'autre. Ici c'était la pharmacie, elle est clear. Là du coup là maintenant toute la rue est faite. Celle-ci elle est pas faite parce que là c'est fermé. Et bah demi-tour. Non, il est toujours mort. Mais attends, mais ça c'est sa boutique de pharmacie. La pharmacie elle est là-bas, donc normalement dans la pharmacie on devrait trouver la solution
à ce problème. Attends, on va faire demi-tour, on va la regarder ça tout de suite. Non. Non. Y'a rien qui pourrait me donner un indice sur son aquacure. Umbrella Corp. Non, 5, 8, 0, non, ça peut pas être ça. Aquacure. Ah, yes. 9, 3, 7. Donc ça fait 9 à gauche, 3 à droite et 7 à gauche. Oh yeah. Alors faut retenir 9 à gauche, 3 à droite, 7 à gauche. Je sais pas pourquoi les gars, mais moi je suis sûr que quand le coffre, je vais l'ouvrir, monsieur qui est là, il va se lever. Alors on a dit 9 à gauche. Donc 9, 3 à droite, 1, 2, 3 et 7 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oui, on a ouvert le coffre. Qu'est-ce que c'est? Un viseur pour pistolet. Waouh. Eh ben je me suis trompé, c'est pas levé. Magnifique. Ça change quelque chose? Ouais. Ça me permet peut-être d'avoir plus de précision. J'ai l'impression qu'il est plus rapide aussi. Eh ben tant mieux. Donc on a dit qu'on faisait demi-tour. Parce que bah de l'autre côté en fait tout est fermé. Là-haut, on n'est pas allé là-haut. Non. Oh! Il était vivant celui-là aussi. Salopard! J'ai bien fait de le faire péter. Ah. Une petite plante, histoire de se mettre bien. C'est bon, t'es meurt. De la poudre encore, hein. Oulala. On récupère une gavée de matos quand même, c'est cool. Je pense que il va falloir faire des économies parce que un peu plus tard, je pense qu'on aura quand même moins, enfin j'espère. Donc maintenant on peut descendre pour aller éteindre le feu. Bah allons-y. Hop, utilisez la torche. Et voilà. Bon, l'objectif est toujours de rétablir le courant. Donc tout ici, c'est tout éteint. Il y a encore cette zone qui est pas claire. On va y retourner. Putain, mais oh. Il les prend pas ses balles. Ah si. Bon voilà. C'est par là-bas. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Où ça? T'es où? Oh putain. Ah bah voilà. C'est quand même mieux quand on leur éclate la gueule. Alors ça c'est un... Ça c'est la zone... Tiens c'est quoi ça? Oh je les avais pas vus.
Et du coup, là, la zone est sûre. Enfin, sûre. Pour l'instant, elle est nettoyée. Niveau matos, j'ai beaucoup de matos. Je devrais peut-être aller en poser. Allez, on va tracer. Yaha! Oh oh! Pas mal la roulade. Hop! Bon, bah on va faire demi-tour maintenant et on va continuer la route. Hein. Ah, je me suis loupé! Dégage! Oh, je me suis déjà fait croquer. Bon, on l'utilise, hein. Ah, fait chier. Reaper. Bon, bah, on va aller voir ce qui se passe derrière. Eh bah. Oh, bah non. Une safe zone. Et le coupe-boulon. Ça donne pas envie d'y aller. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le pompe, les gars. Hein. Franchement. On va regarder où c'est et on va y aller. C'était au début. Ici, apparemment, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà, c'est fait. Oh, il s'est relevé. Ouais, il s'est déjà recouché. Saloperie. C'est bien qu'il allait se lever un moment. Ah, c'est là-bas. Et le magnifique pompe. Oui. J'ai pas beaucoup de munitions, mais j'ai bien envie de le tester quand même. Hop. Hello you. Tu sors d'où toi? Bah alors, on est buggy? Ouais, le bras tout la totale. Bon bah c'est efficace. Ah oh, bah c'était les zombies qui étaient sur le lit. Ah. Ah mais du coup je peux aller là aussi maintenant. Donc j'ai deux endroits à choisir. Il y a une porte où il y a une chaîne et cette porte là aussi où il y a une chaîne. On va aller voir la porte avec la porte rouge. Ok, donc nous y revoilà devant la porte où il y avait un peu de bruit. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe derrière. Et voir surtout si j'ai eu raison de prendre mon fusil à pompe. Et de l'UBCS ? Ouais, doucement. Ne me regarde pas comme ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends ! Putain, mais ça va pas ! Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça aux Stars ?
Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors, à l'UPCS, vous tuez entre vous, c'est ça? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Pouh, lui, il rigole pas. Putain, là-bas, j'ai été surpris, quoi. L'autre, il arrive, poum. Fin du game.